Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est juste une leçon de 15 minutes. C'est un short reminder. Un petit short reminder. Un petit moment pour finir avec lui. Ne pas pour tarder. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Right? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Bon, ben fait bien sûr, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa série qui, inshallah, demain nous commencerons, bi'idhnillah, nous allons commencer, disons, que nous sommes 9h30. Nous vous disons 10 minutes, inshallah, nous allons pouvoir aller. Ici, nous pouvons faire un short reminder de mon explication qui finit faire pendant les années précédentes, quand il y a important que nous, musulmans, nous apprenons et nous comprenons. Première petite chose, un ayat qui m'a fini lire aujourd'hui, c'est un ayat qui est premier l'histoire, premier qissa qui Allah subhanahu wa ta'ala enseigne-nous, raconte-nous dans le Coran, c'est l'histoire de Moussa, de Adam alayhi salam. Et l'histoire de Shaytan. Alors, Inch'Allah, nous pouvons analyser dans le Coran, c'est l'histoire de Adam alayhi salam, nos papas Adam alayhi salam, papa de tout Manjimoun. Alors, nous pouvons guetter qui est arrivé dans sa événement de Adam alayhi salam et de Iblis, ensuite Shaytan, ensuite Adam alayhi salam, il vient dans Dunia, wa alaykum salam. Et ensuite, Dunia a commencé. Ça veut dire qu'il finit de commencer dans les enfants. Alors, dans le Coran, il explique concernant deux enfants de Adam alayhi salam, finit de discuter, Alors, nous pouvons expliquer ça, Inch'Allah. La première affaire, premier point aujourd'hui, bon, des autres, c'est pas une leçon, du pour finir dans 10 minutes. Là. Premier point qui nous l'est, Manfred, apprendre, c'est la création.
Bon, explique lui dans mon explication précédente. Alors ici là, nous pécose création de insan. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li dit dans sourate 7 wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah subhanahu dans le hadith, dans Tirmidhi, dans Ahmed, dans Musnad Ahmed, Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, dans Abu Daoud, Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il dit « Inna Allah khalaqa Adam » Allah fin crée Adam alayhi salam. « Thumma masaha dhahrahu bi yamini » Ensuite, Allah fin passe sur la main, les dos du alayhi salam sur la main droite. Alors, « Fastakhraja minhu dhurriyatan » Et Allah subhanahu wa ta'ala fait une tire sur ma progénie. Une passée avec la main droite, une tire sur ma progénie. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Faqal, khalaqtu ha'oula ilil jannah. Bon, fin créer sa premier coup de qui Allah passe sur la main, le dos de Adam alayhi salam. Quand il finit créer Adam alayhi salam, il dit ça, bon, fin créer sur pour jannah. Ensuite, thumma, wa bi'amali ahli jannati ya'maloun. Ensuite, ça va là, je vais faire une action de ma ahli jannah pour se rendre dans jannah. ثم مسح ظهره فاستخرج ensuite une répassionnée une tire une autre ذريه progénie une dit خلقت هؤلاء للنار ça veut dire bon fin créer ça maintenant pour l'enfer alors Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu infinie crée toute la progénie Adam alayhi salam mais souvent progénie dans forme de ruh. C'est ça même qui, tout ça, man insan qui, à l'infini, crée là, et Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, passe aux connaissances, qui tout le temps avec lui, ce connaissance, avant qu'il tienne n'importe qui créature, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est tout seul, pas tienne aucune créature, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tout quitte chose, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, ce connaissance, l'infini, yuhito kulla shay, il couvre tout quitte chose. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Quand il peut créer insan, Allah subhanahu wa ta'ala déjà connaît qui va l'insan qui parle de jannah, qui va l'insan qui parle de jahannam. Ou sans nous penser qu'il faudrait qu'on vienne dans la dunya, les là qui Allah se dit qu'à bout de nous tester ce qui passe pour rentrer dans jannah, les là qui pour connaître, les là qui Allah pour prendre résiste, il peut écrire à Bandimoun qui pour rentrer dans jannah, Bandimoun pour rentrer dans jahannam. Non. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, avant il crée même il connaît. Quand il finit créer, l'infini dit ça pour le jannah, ça pour le jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala met des côtés. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalla, quand l'infini crée tous les enfants Adam alayhi salam, l'infini fait un contrat avec eux. Ça contrat la même qui, quand nous naît avec sa recognition. Qui ça contrat là ça? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum. Quand l'infini tire tout ban progénie de Adam alayhi salam, wa ashhadahum ala anfusihim. Il fait ce témoin contre eux même. Qui sa témoignage là? Qui sa contrat qui nous peut faire avec Allah? Qui sa l'assemblée qui a l'enjoint tout man insan pour jiman? Qui peut jiman nous? Alastu bi rabbikum? Est-ce qu'il ne m'a pas autre robe? C'est-à-dire pas moi qui me crée eux? Pas moi qui vous donne eux la vie? Pas moi qui donne eux l'amour? Pas moi qui donne eux de sustenance? C'est pas moi qui administre tout quelque chose? Alors, qalou bala shahidna. Alors, tous les enfants Adam alayhi salam, ils répondent bala shahidna. Ça point là, qui m'a envie, mon frère, mon soeur, comprend ça. C'est point numéro un, qui nous voulait que mon frère, mon soeur, comprend dans sa short reminder, que Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, quand il finit, crée nous tout, il fait nous signer un contrat, il fait nous faire un convenant, nous fait un convenant avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Dans sa convenant là, nous reconnaissons, nous en forme de rouh, nous reconnaissons Allah subhanahu wa ta'ala comme nos rabs, et nous signons, nous disons oui, qalou bala shahidna, oui, nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nos rabs. C'est pour ça qu'ils m'ont habitué à dire à mon frère qui travaille avec mon compatriote non musulman, il faut faire ce qu'on dit qu'à l'intérieur, dans tout l'intérieur, déjà il y a sa recognition que le créateur unique c'est ton Rab. Et quand tu reconnais Allah comme ton Rab, ton créateur, ton sustainer, celui qui donne toi la vie là-bas, ça veut dire que tu as besoin de soumettre et faire sur Ibad. Clair? Ça c'est le Coran et nous autres ce hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, mon Dieu ça, mon Dieu dans les passés, là, deuxième point qui
Ben frère, ben sœur, bien comprendre. Deuxième point dans l'explication de création là. Il y a beaucoup d'explications de création. Là, ce qui concerne nous, c'est création de Adam et ce qu'on venait qu'il fait avec Allah et qu'il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera. Et ça, dans le Coran, ça, surah 7, versets 172, 173, 174. Et Allah finit dire tout, je dis, nous pas tu connais. Si nous tu connais qui nous reconnaissons comme ton Rab, nous tu peux soumettre à toi. Alors pour nous pas dire ça, il finit dire à nous qui te connais, tu es dans la forme de roue, toi, insan. Astera quand tu pas connais, quand tu peux lire le Coran, tu peux connais. Ou une cellule lire le Coran pour enseigner toi, qui toi, quand tu es dans la forme de roue, tu finis si. Ça, c'est ça, Ayatul Mithaq, the covenant verse, appelle ça covenant verse, qui nous prend nos covenants avec Allah subhanahu wa ta'ala, oui, tu aimes nous Rab. Et nous, quand tu aimes nous Rab, ça veut dire nous besoin de soumettre à toi. Ça fait traite là. Sa recognition là, quand insan a l'inné avec sa fitrat là. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 30, verset 30, fitrat Allah illati fatara nasa alayha. C'est ça l'eau, sa recognition qui Allah nous rob. L'eau, sa recognition qui Allah tout seul mérite ibadat. Allah crée nous avec sa sentiment là, il crée nous avec sa l'intérieur, sa l'instinct là. لأن ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صحيح مسلم كي الله سبحانه وتعالى فين جاء وإني خلقت عبادي حنفاء وفين كريم وبن سيفيتير حنيف لمو حنيف في جاء كي لي فيس في كي بزاف عبادة سبحانه بزاف سمع جيسا الله سام بوان نمو أن كي إكسو من آيات إكسو حديث من دون زلطان نمو دو الله سبحانه وتعالى إن كري كرياسيون دان دو تيب دي كرياسيون ما بتي جيري ما بغي جيري De type, right? Un groupe, il y a tout man créature, les ciels, la terre, la mer, Zob, Malaika, tout. Donc, deuxième groupe, il y a six insan avec jinnad. Différence entre les deux types de création, insan avec jinnad, on a le droit pour choisir est-ce qu'il nous peut soumettre ou nous pas pour soumettre. Parce que quand il finit, prends ce convenant là. Les autres créations, créatures, je déjà soumettre à Allah. Je déjà soumettre à Allah. C'est pour ça qu'il y a sa question dans la surah Ali Imran. Afa ghayra din illahi yabroun. Est-ce que les gens, je peux vous dire, un autre din apporte din Allah? Allah dit sa réponse. Si je dis non, nous parlons de din Allah. Allah répond sa réponse qui nous a pas dit là. Il dit Wallahu aslama man fi samawati wal ardu tam'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Allah dit à Allah, il soumet tout ce qui n'est dans les chèques la terre. Toi, insan, tu ne peux pas les soumettre. Pas besoin de te soumettre. Tu ne choisis pour pas soumettre. Pareil comme Iblis, il y a un djinn qui trouve dans un groupe que je gagne soit le free will pour décider si pour désobéir ou pour obéir, l'un décide pour désobéir à l'autre Allah. Adam alayhi salam, il désobéit à l'autre qui a l'indéri pas aussi avec lui parce qu'il a le choix de choisir le free will. Par contre, les autres créatures apportent insan avec jinnat, je peine à le free will pour décider. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Quran, surah 3, verset 80. 81, si vous ne pas faire, ou ça 80, il dit, est-ce que les gens, les djinns, les musulmans, les chrétiens, les hommes, tous les autres djinns apportent Allah? Un autre mode de vie apporte Allah? Right, une petite question là. Allah répond, si arrivé, ban qui dit oui, ok, alhamdulillah. Ban qui dit non, ban qui dit non, qui arrive, ban qui dit non, Allah dit وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Allah fin soumet tout man qui tout ce qui n'est dans les chèques de la terre. C'est tout vrai. Alors groupe B des uns soumet. C'est pour ça que dans le Coran il y a ça groupe B là pas insan et pas jinnat. Pas insan pas jinnat. Ça groupe B là soumet. Allah subhanahu wa ta'ala يسبح لله ما في السماوات والأرض. Alors tout man ce qui n'est dans les chèques de la terre fait tasbih pour Allah. وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي Pena n'ayez excepté qu'il y célébrer louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ Alors Allah subhanahu wa ta'ala, surah 24, peut dire que les ciels, la terre, les arbres, le montagne, le soleil, la lune, fait un sijida pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu. Sabana se soumet parce qu'ils ont peine à le free will. Nous, insan, on a free will. Ça, c'est le deuxième point important qu'il nous besoin de comprendre. Clair? Troisième point, c'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il met Adam alayhi salam dans Jannah, quand il dit par rapport avec sa pied-là, non, avant ça, quand Allah donne l'autre pour faire sijda, point numéro 3, quand Allah donne l'autre
ملائكة بو فاسس دا بو آدم عليه السلام إبليس تي بي غسبومي من ملائكة لتين جن كان من الجن دا سورة كهف كان من الجن دي باكو من شيطان لا يوكو سنو إبليس يوكو إبليس لا إبليس ين جن كت لتي بي غسبومي من ملائكة الله سبحانه وتعالى دن لوت بو فاسس دا من ملائكة فاسس دا إبليس ان غفيز فاسس دا كيف ان غفيز فاسس دا كيف الله Allah connaît, qui fait Allah pomper sli refuse vers Sida, parce que djinn, insan, avec djinnan, se trouve dans le groupe qu'Allah donne le free will pour décider est-ce qu'il peut soumettre devant Allah ou bien pas pour soumettre. Alors, Iblis, il décide pour ne pas faire Sida, Inch'Allah, demain, à 9h30, Inch'Allah, nous pouvons être conversation qui tient là entre Allah subhanahu wa ta'ala et Iblis qui fait une refuse vers Sida. Correct? Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Point numéro 1 Création de Adam et Salam et son progénie Numéro 2 Deux types de création Un c'est qu'il y a free will Il y en a djinnat avec insan là-dedans Right Alors deuxième groupe de création Il y en a tout créature là-dedans Basé qui insan avec djinnat trouve dans groupe qui a free will, Adam alayhi salam et Iblis, quand il a l'autre pour qui ban malaika fait sijda pour Adam alayhi salam, côté Allah subhanahu wa ta'ala, alors Iblis il refuse, qui fait il refuse, parce qu'il service au free will, il refuse pour obéir à l'autre Allah. Demain, c'est qu'il nous pourrait dans nos petits short reminder, qui dialogue tient, qui fait qui Iblis il refuse faire sijda pour Adam alayhi salam, quand Allah qui finit dans l'autre, Et il connaît, c'est Allah qui nous donne sa loi de là. Pourtant, Iblis, dit si pour moi, mon malaïka, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.